Tshisekedi est parti. Tshisekedi, c'est une icône pour le monde, pour l'Afrique et notre pays en particulier. Tshisekedi a lutté pour la démocratie dans ce pays. Tshisekedi a lutté pour la justice dans ce pays. Mais une chose, je sais que Tshisekedi nous a laissé un testament. Il n'est pas parti comme ça, il nous a laissé un testament. Il nous a demandé à nous, le peuple, de se prendre en charge. Papa, je vais vous voir. Vous voyez un peu. Nous sommes vraiment dépassés pour les chocs de sa mort. Alors, nous, peuple congolais, nous n'avons plus d'autre choix parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que, quelqu'un d'autre qui peut le représenter, qui peut faire tout ce que Tshisekedi a fait dans ce pays. En tout cas, c'est lui le président élu. Et comme il est mort, nous n'avons plus quelque chose à craindre dans ce pays. Parce que ceux qui sont restés aujourd'hui, ceux qui se disent même l'Église catholique, nous n'avons plus confiance en personne. Parce que seule personne qu'on confie notre considération est déjà partie, Étienne Tshisekedi. Ce qui nous reste maintenant, c'est de prendre, s'il faut prendre les armes, nous sommes prêts à tout faire pour amener au bout la lutte qui a été menée par Étienne Tshisekedi. Tshisekedi représentait beaucoup pour le peuple congolais, c'est pour cela qu'il a été qualifié de Moïse, de Mandela, de tout ce que vous voulez. Parce que c'est lui qui devait montrer le chemin et conduire le peuple à la libération. Avec sa perte, le peuple est certes éploré aujourd'hui, très touché par cette disparition, mais ce qu'il représente, il représente l'espoir. L'espoir qu'avait le peuple congolais d'arriver à vivre comme un grand peuple au centre du continent africain. Merci.